voudrais avant tout remercier le président de cette soirée qui est notre consul bien-aimé, M. René Trocaz, consul général de France à Jérusalem. Merci d'être là, merci de nous honorer de votre présence. Remercier évidemment tous les auteurs qui nous ont fait également l'honneur d'être là. Je vais les citer par ordre alphabétique et non pas par ordre de préférence évidemment. Monsieur Alvarez Pereira, Madame Berthe Badehi, et chacun d'entre eux et d'entre elles prendront la parole pour présenter leur livre. Il y aura des tables rondes. Madame Nelly Ben Israël, Monsieur Jonathan Berg. J'avais un ami qui était un polytechnicien, un garçon brillant qui s'appelait Jonathan Berg, mais c'est pas lui. Non, il est tout jeune. Voilà. Et il est tout aussi brillant, certainement. Madame Stéphanie Binder, Monsieur Michel Granek, notre ami Monsieur Raphaël Jérusalemi, bien connu, qui ne représente pas ici 24 ce soir, mais lui-même. Baruch Haba, vous êtes le bienvenu. Monsieur Benimer, Monsieur Dror Michani, Madame Rachel Chalita, Emmanuel Chibert, qui n'a pas changé. Monsieur Ariel Siboni et Madame Ariel Siboni, son frère et sœur. Tonton et tonton. Alors, cet événement du Salon du Livre 2022, sous la houlette du Consulat de France, est un événement parce que, dit-on que le peuple juif, c'est le peuple du livre, la lecture, c'est l'évasion, la lecture, c'est le rêve, la lecture, c'est la liberté, la lecture, c'est l'acquisition du savoir. Ce peuple millénaire qui lit et qui lit et qui lit encore, j'ai d'ailleurs près de moi l'équipe de choc que je dois vraiment féliciter, Madame Colette Guetta, voilà, Madame Jacqueline Gabé, extraordinaire, et de fil en aiguille, une bibliothèque s'ouvre ce soir, une bibliothèque où laquelle vous pourrez évidemment venir, elle est inaugurée ce soir, et puis pour les horaires d'ouverture, vous serez informés par voie de presse. Voilà, donc c'est encore un effort supplémentaire. Je voulais véritablement les remercier, étant moi-même à l'étranger, je n'ai pas pu m'occuper personnellement de cet événement, mais je vois que ça a été mené de main de maître. Merci mesdames. Remercier également notre amie Madame Nathalie Hirschsprung, de la directrice de la librairie Vice Versa, qui animera ce soir les débats, les tables rondes. Voilà, donc sans plus tarder, je voudrais passer la parole à Colette, puis à Jacqueline, et nous démarrerons cet événement. Bessimana Tava. Un grand merci aussi à toute la participation fort nombreuse qui a su répondre physiquement et moralement et de soutien à cet événement. Et on est très heureux aussi de continuer dans la notion de culture francophone et l'expansion de la culture. Voilà, merci beaucoup, passez une bonne soirée. Moi, je ne dis rien, je veux juste inviter, d'abord dire quand même que je suis extrêmement heureuse d'être ici. Merci beaucoup à Colette et à Jacqueline, merci beaucoup Rav, ça a été un bonheur de co-organiser cet événement. Merci René d'être là, toujours fidèle. Et je voudrais inviter mes trois primo-romanciers, très bons primo-romanciers, Ariel et Ariel, et Nelly, s'il vous plaît. Alors donc, très très heureuse d'accueillir trois primo-romanciers très talentueux. Nelly Ben Israël, qui en est au deuxième tome de son Ella, premier tome qui a été Prix Viso Israël. Félicitations. Donc Nelly, vous la connaissez toutes et tous, est bibliothécaire à Arat Sofim, à l'université. Ariel, monsieur, parce que là c'est compliqué ce soir, hein. Ariel, monsieur, qui est galeriste, et on va découvrir très rapidement pourquoi il s'est lancé dans l'écriture. Et Ariel, mademoiselle, dont on m'a raconté que des bêtises, puisqu'on m'a dit que les deux Ariel ne se connaissaient pas, et en fait, non, c'est pas vrai du tout. Deux questions. La première, comment et pourquoi avez-vous décidé de vous lancer dans l'écriture, Nelly?
Bonsoir à tous, merci d'être venus nous rencontrer ce soir et merci à Nathalie pour son organisation et merci à Jacqueline et à son équipe de nous avoir invités. Alors pour répondre à la question comment est venue l'écriture et pourquoi, tout d'abord mon premier roman, en fait je l'ai commencé il y a bien longtemps, à l'âge de 17 ans en fait, donc c'est une histoire que je traîne dans ma vie depuis bientôt 25 ans. Donc en fait, cette histoire est venue très tôt dans ma vie, quand moi-même j'avais 17 ans, comme mon héroïne dans mon roman, qui a elle-même 17 ans au début de l'histoire. Et quand j'ai commencé à écrire cette histoire, que j'ai déjà située dans les années 60, en fait, je ne me voyais pas tellement la possibilité de la développer. Et donc cette histoire est restée en suspens pendant bien bien longtemps, une bonne vingtaine d'années. Et puis, peut-être à l'aube des 40 ans, un petit peu avant, j'ai décidé de reprendre en fait cette histoire. Comme l'a bien dit Nathalie, je suis bibliothécaire à l'Université de Jérusalem. Donc je lis énormément et pour le travail et pour le plaisir. Donc je suis vraiment une boulimique de lecture qui m'a beaucoup enrichie durant toutes ces années. Et peut-être, c'est à peu près ma réponse au pourquoi j'ai commencé à écrire. Je pense qu'il est simplement venu le temps de la maturité de raconter cette histoire que j'ai pu enfin développer avec mon expérience de vie en tant qu'épouse, que mère, en venant en Israël. Donc je pense que tout ça s'est ajouté à ma possibilité d'écriture, tout simplement. Ariel, monsieur. Alors bonsoir aussi. Merci à vous, Nathalie, à toute l'équipe. C'est un grand honneur pour moi, parisien et marocain d'origine, de faire une première dédicace en Israël et à Jérusalem. Alors pourquoi très souvent, on nous a dit que le premier roman était souvent autobiographique. Donc voilà, je me suis retrouvé dans un espèce de chômage partiel après la vente de ma galerie d'art, avec beaucoup de temps devant moi. Le moment était venu pour moi de faire une pause dans ma vie professionnelle. J'ai décidé de faire un long voyage et en parallèle d'écrire ce premier roman sur une partie de ma vie. Voilà. Comment je l'ai fait? J'ai mis 4 ans pour l'écrire, donc j'y ai pris le temps. J'ai pas fait de pause, mais j'ai fait des pauses pendant ces 4 ans parce que c'est quand même long, et j'ai appris à écrire en même temps puisqu'il s'agit en effet d'un premier roman. C'est aussi un honneur pour moi en tant que franco-israélienne qui habite entre Paris et Tel Aviv d'être ici ce soir. Comment j'en suis arrivée à ce premier roman? En fait, c'est un peu différent, c'est que moi, c'est mon métier. J'ai passé Normal Sup en philo, donc soit j'allais écrire de la philo, soit j'allais écrire des romans. Et en fait, quand j'étais jeune, j'ai beaucoup écrit pour les gens, j'ai réécrit pour des gens, j'ai fait des biographies de 25 à 28, là. Et moi, au contraire, c'est pas du tout biographique, c'est un roman complètement... c'est une fiction, c'était une manière de mêler justement ce dans quoi je baigne, c'est-à-dire les mots, les lettres, la pensée, et de mêler philosophie et fiction. Donc voilà comment j'ai fait pour l'écrire. Je me suis assise derrière mon ordi et j'ai dit bon, on arrête d'écrire pour les gens et on écrit ce qu'on veut dire. Donc c'est purement c'est ce que je voulais. J'avais un sujet que je voulais évoquer et l'histoire était un prétexte pour parler de ce sujet. Voilà. Alors, une deuxième question, puis du coup, il m'en viendra une petite troisième après, mais elle sera surprise, celle-là. Quelles ont été vos sources d'inspiration pour la thématique et les personnages de votre roman? Alors, comme je viens de dire il y a quelques instants, je suis bibliothécaire, donc je lis énormément. C'est très, très difficile de citer un ouvrage ou une inspiration, mais j'y ai réfléchi, je vais quand même en citer deux. Le premier livre qui m'est venu en réfléchissant à la question, c'était la biographie de Jim Morrison, qui s'appelle « Personne ne sortira d'ici vivant » de Jerry Hopkins, si je me souviens bien. Et pourquoi je cite ce livre? C'est parce que quand j'ai lu cette biographie, l'auteur met des extraits des chansons, forcément, des Doors, de Jim Morrison.
Et, cela, et en lisant, en fait, ces passages-là, donc en fait, j'avais les chansons dans la tête. Et dans mon livre, qui est aussi... qui se situe dans les années 60 et le deuxième dans les années 70, il y a beaucoup de références musicales. Et j'ai pensé que si je mettais aussi quelques extraits de chansons que tout le monde connaît, en fait, donc en les lisant, donc on aura aussi ces références musicales dans la tête. Et donc j'ai trouvé que c'était un bon moyen de rappeler aussi ces années-là par rapport aux chansons, donc par rapport à ce livre. Et ma deuxième source, ça aurait été peut-être, je dis peut-être parce qu'il y a tellement et c'est très difficile de choisir, mais je voudrais rappeler les livres de Ken Follett. Ken Follett qui écrit des gros pavés et des trilogies de très très gros pavés, mais qui en fait, plus les livres ont beaucoup de pages et mieux je me porte. Et surtout, pas par rapport à la quantité, mais aussi par rapport à la qualité. Ken Follett écrit beaucoup de romans historiques. Je ne parle pas des policiers ou des espionnages que j'aime bien, mais ce n'est pas mon propos. Mon propos est plus au niveau historique, au niveau du Moyen-Âge, au niveau de la trilogie du siècle, où il raconte les années donc, de la guerre, après-guerre. Donc, c'est les sagas avec des personnages et réels et fictifs. Mais mes romans aussi ont des personnalités réelles qui s'ancrent dans une réalité historique autour duquel se situe mon histoire qui est imaginaire. C'est aussi un roman, ce n'est pas du tout une autobiographie, c'est complètement une fiction. Donc par rapport à ces écrits-là, je peux dire un peu que effectivement ça m'a inspiré pour situer mon histoire. J'ai dit tout à l'heure que c'était un roman autobiographique, donc ça répond un petit peu à la question. Une grande partie des personnages sont évidemment réels, romancés. On m'a dit quand j'étais dans l'écriture, on m'a dit que la base d'un roman, c'était d'abord d'établir un plan et ensuite des fiches personnages. Moi, je l'ai fait à l'envers, c'est-à-dire que j'ai d'abord écrit le roman et puis une fois terminé, je me suis dit, tiens, je vais écrire des fiches personnages. Et je me suis rendu compte, en fait, que pour certains personnages que j'avais créés, qui étaient romancés, ils avaient le caractère d'acteurs français ou américain, parce qu'à la base, quand j'ai commencé à écrire le roman, c'était plutôt un synopsis de film que je voulais écrire, parce que le roman, pour moi, était inenvisageable. Donc, c'était plutôt un film, et je m'inspirais d'acteurs américains des années 80-90, dont j'étais fan, et dont j'ai tiré la quintessence de leur caractère et de leur visage et autres pour créer chacun des personnages de fiction. Et les autres, sont des vrais personnages. Bah moi, du coup, comme je l'ai dit, j'ai baigné dans la philosophie, dans la littérature, et je pense que c'était un moment... mon roman s'appelle Corps à corps, et c'était une façon, en fait, de... Pour moi, le roman, c'est comme une excuse. Les histoires, les personnages, c'est comme une excuse pour parler d'un sujet dont on veut parler. Et je voulais parler du lien entre le corps et l'esprit. C'était une phrase, en passant dans Malsup, qui me hantait. Le corps est le tombeau de l'âme, de Platon. Et c'est vraiment quelque chose que je voulais explorer et dont mes deux personnages, moi, c'est vraiment deux personnages qui sont au centre de l'histoire, ces deux sœurs. Donc une sœur est danseuse étoile, donc son corps est au centre de sa vie, et l'autre sœur a une sclérose en plaques, donc petit à petit, son corps la perd. Et c'était finalement deux façons complètement opposées de vivre le corps, et à travers ça aussi de parler du lien entre deux sœurs, et aussi entre la famille, aussi avec la vie, la mort, enfin il y avait plein de choses. Pour moi, c'était que des excuses pour parler du thème central qui était le lien avec ce que je viens de dire. Alors j'ai une petite question surprise parce qu'elle me semble tout à fait fondamentale dans un pays comme celui dans lequel nous vivons, qui est un pays où la francophonie est extrêmement vivace et où il y a beaucoup d'auteurs de langue française.
Et c'est Nelly qui m'a inspiré cette question. Nos discussions autrefois à la bibliothèque de l'université, où elle me disait « j'en ai marre, j'ai envoyé mon manuscrit partout, on ne me répond pas, je vais m'auto-éditer ». Et je lui ai dit, je te supplie de ne pas faire ça, parce que s'auto-éditer, ça veut dire d'abord qu'on n'est pas face à un éditeur qui a un certain nombre d'exigences et qui nous fait progresser, mais ça veut dire surtout qu'on se coupe complètement du milieu international, on est recroquevillé sur une auto-édition locale, et on prive les lecteurs du monde entier de livres qui sont parfois des petits trésors. Donc ma question est celle-ci, comment avez-vous rencontré vos éditeurs ? Oh. Alors, comme Nathalie a dévoilé mon secret, qui n'en est plus un. Alors, comme je disais, j'ai mis bien longtemps à écrire mon histoire. Donc, j'ai commencé à 17 ans. Je me suis arrêtée bien, bien longtemps. Je l'ai reprise à l'âge de 38 ans. J'ai 43 ans, je ne cache pas mon âge. Donc, C'est là qu'on dit, elle ne les fait pas. Voilà, merci. Et en fait, vers 38 ans, comme ça, donc, j'ai repris l'écriture. Et qui a été très, très éprouvante dans le sens où je suis rentrée dans une histoire de façon très, très intense. Mais ça, c'est une autre peut-être question. Mais après la fin de l'écriture est venu effectivement le temps de vouloir se faire publier. Et qu'est-ce qu'on fait de ce qu'on a écrit ? Parce que finalement, je pense qu'on se mentirait si on dit qu'on écrit pour soi. Je pense qu'on écrit pour soi dans le sens où moi, je ne me suis jamais censurée. Donc, dans cette mesure-là, j'ai écrit pour moi, mais j'ai aussi écrit pour qu'on me lise et pour qu'on me, entre guillemets, repère, pour qu'on me publie et qu'on croit en moi. Et effectivement, ça a pris bien longtemps et 80 éditeurs plus tard, peut-être, où il y a eu un, finalement, qui est Marc Dutel, M+ Édition, qui a cru en moi, qui m'a contactée et qui a dit que j'aime beaucoup votre histoire, on va voir ce qu'on va en faire. Et après, avoir, comme Nathalie a bien expliqué, c'est effectivement un travail de relecture qui est vraiment beaucoup plus éprouvant que le travail d'écriture parce qu'il y a des corrections à faire qu'on ne pensait pas au début. Je ne parle pas forcément des corrections grammaticales, coquilles, etc. Je parle vraiment d'une réécriture dans le sens où que ce soit plus intelligible, plus compréhensible, que moi, ce que je pensais clair, finalement, n'est pas forcément clair pour celui qui lit. Donc, c'est vraiment un gros retravail avant de sortir le premier livre. Et en fait, ça a été la même chose pour la suite qui vient de sortir. Et donc, mon éditeur a cru en moi, et c'est ce que je voulais, en fait, depuis le début, parce qu'effectivement, il y avait la question de l'auto-édition, que je respecte beaucoup, et je comprends forcément ceux qui se lancent, par choix ou par dépit. Mais moi, je voulais vraiment quelqu'un qui me repère et qui croit en moi, et qui me dise, allez, on y va, on va sortir ton livre. Et il l'a bien fait, et j'ai bien fait, parce qu'en après, j'ai reçu le préviso, et ça m'a... Pour moi, c'était une belle reconnaissance de tout cet acharnement. Alors je vais vous raconter une petite histoire. Il y a une semaine, j'ai écouté Le Maître qui donnait une petite interview et qui disait que dans les années 80-90, pour son premier roman, il avait décidé de, avec sa femme, de faire toutes les éditions, toutes les maisons d'édition qui étaient pour 80% à Saint-Germain. Et il disait qu'il ben, a déposé son livre chez 22 ou 23 éditeurs et, en faisant du porte-à-porte. Et 10 jours après, il a reçu 22 réponses positives. Bon, alors je vous rassure, ce n'est pas notre cas. J'ai fait la même chose, c'est-à-dire que j'ai pris mon... Alors aujourd'hui, c'est soit par Internet, parce qu'on envoie tout par mail, ou par courrier, en éditant le roman nous-mêmes. Et j'ai eu la chance, moi, d'avoir une réponse positive sur les 30 maisons à qui j'avais envoyé le roman. Et puis, voilà, un an après, il a été édité, après de plusieurs corrections et plusieurs remises en état. Et il est sorti il y a 4 mois, pour mon plus grand bonheur. Oui, parce qu'au départ, je n'avais pas du tout l'intention d'aller jusqu'à l'édition. Je l'écrivais pour moi, pour laisser une trace de tout ça et de l'histoire à mes enfants. Et puis voilà, au fur et à mesure des rencontres, on m'a conseillé de le faire. Je l'ai fait et un éditeur est suffisant, comme vous dites. Un bon éditeur est suffisant plutôt. Et voilà. Donc, longue vie à vos livres, hein, à tout le monde. Et merci. Merci.
Je me sens un peu exclue chez moi, c'est vraiment l'opposé, mais j'ai une histoire que j'ai longtemps cachée et réprimée, et pourtant ça fait partie de ce que je suis. Je viens vraiment d'une famille très ancrée, intellectuelle, et j'ai un père qui est écrivain et qui était déjà dans ce milieu-là, et qui a écrit près de 50 livres. Et moi, l'opposé, c'est pour ça que j'ai commencé par écrire pour des gens et donner un peu ce que je savais faire avant de m'autoriser moi-même à être ce que je voulais être, mais ce que je ne m'autorisais pas à être. Et du coup, j'ai écrit ce roman, mais c'était pas du tout... moi, j'imaginais que voilà, il fallait être un écrivain âgé et que de toute façon, c'était pas encore pour maintenant. Et en fait, je l'ai absolument pas envoyé... j'en parlais un peu autour de moi, et du coup les amis éditeurs de Saint-Germain étaient tous intéressés, mais un peu comme des requins, hein, la petite Siboney, elle va publier, envoie-le-moi, et justement c'était l'inverse, c'était envoie-le-moi, et j'ai dit non, c'était comme mon bébé que je voulais garder, et je voulais à peine le faire lire, je l'ai fait lire à une de mes marraines spirituelle qui m'a dit ah non il faut, et je lui ai dit non mais je pas des grands, pas ceux de mon père, sauf que mon père a publié dans beaucoup trop de maisons d'édition, mais il se trouve que moi très rapidement elle l'a envoyé et j'ai reçu une réponse que je n'avais pas demandé. Donc, le contact, et je pense que c'est très important quand on veut éditer un livre, c'est l'éditeur, c'est l'humain, c'est comment on se sent. C'est une chose de savoir écrire, mais c'est aussi une chose de savoir lire. Et quand on est bien lu par quelqu'un, ça vaut de l'or. Et je suis tombée amoureuse de cette éditrice. Je me suis dit OK. Et vraiment, il a été publié tel quel parce que voilà, elle a su me lire et que c'était comme ça qu'il fallait qu'il soit publié. Et voilà. Mais c'est une histoire différente. Donc, je renouvelle mes félicitations à nos trois primo-romanciers d'avoir eu le courage d'aller jusqu'au bout de l'aventure. Très belle aventure qui sera peut-être suivie d'autres aventures. Et en tout cas, vos choix et votre obstination vous permettront d'être lus à l'international. Et pour ça, félicitations. Eh bien, écoutez, puisque nous avons l'honneur d'avoir notre ami le consul, M. René Trocaz, avec nous, et il m'a dit, je repoussais mes vacances pour pouvoir assister à ce salon du livre. Merci encore une fois. Merci d'être là. Et on aimerait que vous nous disiez quelques mots, peut-être. Merci, merci docteur, cher Éric Belaïch. Vous avez eu des mots très gentils pour moi, trop. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire avec beaucoup de sincérité, c'est que je suis extrêmement heureux d'être... très heureux d'être ici avec vous tous ce soir, de découvrir des talents littéraires au Pays du Livre. Je suis un citoyen du Pays du Livre moi-même, je lis beaucoup, et je suis extrêmement heureux de voir non seulement tout ce que vous faites, mais je le dis, puisque vous m'en donnez l'occasion, de vous redire à vous, vous êtes un de nos élus consulaires, à toutes les personnes qui sont dans cette salle et au-delà, le soutien que vous avez et que vous aurez du consulat général de France à Jérusalem. Je crois que c'est extrêmement important d'avoir ce contact avec toutes ces associations foisonnantes, créatives. Vous avez une activité cinématographique que j'ai eu le bonheur de découvrir. Voilà, ce soir, nous sommes là pour découvrir des auteurs. Donc, je vais m'arrêter là et je vous remercie encore une fois. Merci, merci beaucoup.